plus la famille. Non, mais c'est la famille en fait. C'est toujours la famille, mais c'est les incroyables. Mais en fait, il faut les introduire. En fait, on dit la famille et après on dit qu'on les a rebaptisés. Ok. Hello, hello. La famille. On a rebaptisé, hein. Incroyable. La team des incroyables. La team des incroyables. Une team incroyable. Bon, déjà, on commence toujours, hein. Les excuses. On s'excuse. Ouais. Vraiment. On sait. Mais vous comprenez. Et on vous a ensemble. On vous a fait 6 épisodes en une semaine. 7 épisodes en une semaine. Ça, on a pris d'avance pour 4 mois. Mais là, quand même, j'avoue que le silence était un peu long. Ouais, j'avoue, on a un petit silence un peu long. Mais là, on est là. On est là. On est retour. C'est le plus important. Laissons le passé derrière. On est là. YouTube, on avance. On avance. On regarde devant. Bon, on espère que vous allez bien. Et on est presque 20 000 sur la chaîne YouTube, Carrette. Là, on est presque 20 minutes. Ah ouais, la voix, c'est défoncé. Elle s'est pris pour LeBron James. Aïe. J'ai essayé, mais. Ouf. Ouais, ça passe. Ça m'a fait un peu mal. D'accord. Trop de force. Oui. C'est maintenant de faire comme ça. Voilà. Je vais faire semblant. Donc, on est presque 20K la famille. Merci à vous, YouTube. Déchirer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est maintenant. Abonnez-vous, Karel et Olivier la famille. Je suis Karel et Bébé. Je vous présente monsieur Olivier V. Le papa de Baby K. Le papa. On est les darons de Baby K. Non. Donc voilà. Et puis, comme intro, c'était pas comme elle a dit, c'est ça. Si t'es pas abonné, active la cloche de notification, abonne-toi. Et tu verras, on s'amuse beaucoup sur cette chaîne. Et bienvenue si t'es nouveau dans la team des incroyables. Voilà. Une team incroyable. Incroyable. Bon. La famille. Maintenant que le cadre est posé. Voilà. On a posé les bases. On est de retour pour cet épisode parce que votre go Karel est parti affronter une championne olympique. Championne du monde de boxe. Elle est partie faire l'entraînement. Je me suis tenté moi-même. En fait, moi-même, j'ai dit, vas-y, Karel, vas-y en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Non, en fait, on a eu la chance, il y avait Estelle Mosley qui était à Dakar pour une opération avec des jeunes filles et tout. Et on a profité de l'occasion pour faire une petite séance d'entraînement avec elle. Elle a accepté de nous mettre un petit emplacement dans son emploi du temps, hyper chargé pendant qu'elle était à Dakar. Et déjà, Estelle, merci énormément. Et c'est une personne. Non, elle déchire. Et franchement, vous pouvez voir comme ça et vous pensez, ouais, mais elle, c'est une star, donc elle n'a pas le temps. Elle était tellement simple, généreuse. Elle a vraiment pris le temps. Vraiment. Et en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que moi, j'ai toujours rêvé de faire de la boxe. Really, en nigga. Fait, c'est la raison pour laquelle j'ai. Pourquoi je fais cette tête? Quelle tête? Cette tête que tu viens Quelle de faire. Quelle tête? La tête qu'on va remettre ici en zoom. C'est moi qui fais le montage. Et ben, je pourrais couper dans le montage et refaire encore et moi-même mettre ma sauce. Vous avez vu une tête, vous? Bref. Non, honnêtement, j'ai toujours voulu faire de la boxe et c'est la raison pour laquelle Estelle m'a prêté ses gants. Ouais, si je peux dire ça comme ça. Et franchement, ça m'a motivé encore plus, hein. La vérité. Hein. Ouais, non, franchement, ça l'a motivé. D'ailleurs, après, elle a fait quelques petits cours. Ouais, tout. Mais franchement, non, c'était une belle expérience. Et puis, c'était, comme on a dit, surtout une personne généreuse. Et avec qui on a passé un super ouais, moment. De ouf. Et en fait, on a notre ami, Mister Nice Video, et qui est Moshedi, lui-même, qui est le tonton de Baby K. Et Mohamed, mais je ne vais pas dire tout son nom de famille parce que bon. Mais on va vous mettre son Instagram, allez le follow sur Instagram parce qu'il fait des vidéos. Ouais, il vlog now. Ouais, il a Mister Vlog, you know. Et en fait, il nous a accompagnés, c'est lui qui a filmé, qui a fait le montage. D'ailleurs, merci Moshedi. Ouais, de ouf. Même si tu as mis beaucoup de temps à C'est pas grave, l'important c'est de. Parce que cette vidéo a été tournée au mois de mai. Avril. C'était quand? C'était après le ramadan, non? Ou pendant le... Non, ça devrait être pendant le ramadan. Avant le ramadan? Mais ça devrait être avant le ramadan. Moshedi, en tout cas, c'était avant le ça ramadan. Ça fait longtemps, en tout cas. C'était avant le ramadan. Là, c'était avant le Rwanda. La vidéo, là, c'était bien avant le Rwanda. Mais là, on est en août. Et c'est maintenant ça sort. C'est maintenant août 2022. Ça merci, Moshedi. Il reste au moins 3 mois. Mais toi, c'est pas grave. We love you. Tu as mis du temps, mais c'est pas grave. La vidéo est là. On va découvrir la vidéo en même temps que vous. C'est ça. Nous, on l'a pas vue. Ouais. On va la regarder. Et. On va réagir à la vidéo. Bon, alors profitez la vidéo, installez-vous et n'oubliez pas, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites-nous si on vous a manqué. Écrivez-nous un message pour dire Karel, Olivier, vous nous avez manqué. Mettez des commentaires, des likes, c'est bon pour le référencement. Et l'objectif, c'est 100K sur YouTube. Donc aidez-nous. Plus vous mettez des likes. 20 millions. Doucement. Bon, déjà 50. Le but, c'est 50K. Donc, quand vous mettez un commentaire et quand vous mettez des likes, ça nous aide à nous faire voir par d'autres personnes, donc à atteindre les 50K. Donc, nous. Chaque commentaire, chaque like est apprécié. Merci la famille. Merci la famille. Allez, c'est parti. Moi, je pense que je suis prête. Maintenant, je sais pas si. En fait, c'est-à-dire que pour moi, j'ai tellement assuré
que j'ai peur du rendu là, de mon cours de boxe, mais ça va aller. 3, 2, 1, on lance l'épisode, c'est parti. Oui, bonjour, c'est nous. On a enlevé les sièges auto, tu peux, hello, tu peux rentrer. Aujourd'hui, ça va envoyer, ça va envoyer. Aujourd'hui, ça va. Le coach est là. Je vais essayer de... Ma protéger est là. C'est poulain, parti. Le poulain. Ma protéger, c'est pareil. Creed 4. Lingette, les couches, tu regardes pas. Les couches quand même, les lingettes, en plus j'ai dit, faut que je reprenne les lingettes. Non, Olivier, franchement, sur ce collège, je te pardonne pas. Ça mérite une paire de chaussures ou un bail comme ça. Quoi? Quoi? Quoi tu regardes comme ça? Coupe la caméra. Coupe la caméra, je finis. Donc vous voyez, on va pour aller faire la boxe, on est là, on a un invité, la meuf, elle veut commencer à m'embrouiller dans la voiture. Ça, c'est votre coup. Mais maintenant, je t'embrouille pourquoi? Pour les couches. À cause de quoi? Donc voilà. Ah, tu devais faire quelque chose que tu n'as pas fait. Qu'est-ce que je devais faire? Mais je sais plus. Ça remonte à 6 mois. Qui est en charge des couches? Non, mais c'est bon. Non, mais je suis en charge de tout ce qui est le logistique de la petite. Mais là, je suis en train de t'embrouiller, c'est qu'il y avait un truc que tu n'avais pas fait. Sinon, je n'allais pas t'embrouiller. Bref, on repart dans la boxe. Nice vidéo, moi j'ai dit tu es fou. Est-ce que vous avez vu la trou qu'il a fait? Gars! On dirait votre go, c'est une vraie boxeuse. On dirait moi-même je boxe. Moi-même je me suis kiffé là. Ouais, on a vu la vidéo, même on a dit on dirait la go. Et je suis là, il a fait les trucs, je monte les escaliers. Il a fait les petits regards, genre, il a fait la plaque. Après, je suis là comme ça, posé dans le Benz. Ah ouais! Eh voilà, moi j'ai dit t'es un menteur. Voilà, t'es un menteur parce que là. Non, mais là, là, t'as fait passer Karel pour une boxeuse, on dirait qu'elle va vraiment affronter. Là, ça fait que quelques secondes qu'on a commencé à dire que le reste, là, c'est ça qui va être la réalité. Non, mais c'est pas grave, en tout cas, l'intro. Mais le reste, ouais, non, mais l'intro. Mettez un commentaire pour Moshéli, dites-lui. Moshéli, t'as de l'intro. Mettez un commentaire pour le surtout. J'ai un physique d'entraîneur. Moi, j'ai un physique de mangeuse. Ah, en fait, on vient pour faire une vidéo normal, avec Estelle. Enchanté, ça va. C'est bien. Pardon. Vous allez bien? Défi, la tenue nationale, équipe féminine. D'accord, très bien. Ça va bien? Ça va. Donc en fait juste pour vous expliquer, parce que quand on est arrivé, donc c'était à l'arena à Pékin. Quand on arrivait à l'arena à Pékin, en fait c'est là-bas que la fédération sénégalaise de boxe s'entraîne. Donc il y avait tout le staff de la fédération qui était là. Donc quand on est arrivé, on a rencontré tout le staff de la fédération sénégalaise. Ils l'ont pris pour une boxeuse, ils voulaient l'engager en plus. Et ils se préparaient à aller à des championnats régionaux et tout. Ils avaient une compétition, donc ils ont été super sympas. Ah non, et donc ça, en fait ce que vous avez vu, c'est quand on est arrivé, on a rencontré donc la fédération sénégalaise de boxe. Oui, donc je suis actuellement sur le ring. Je sais pas si je suis prête, mais en tout cas je serai prête au moment d'être prête. Ouais, donc moi je suis le coach. Ouais, j'ai mon poulain qui est là, 4 fois championne du Bénin. 10 championne de... Les regards des pèlerins. Ouais, voilà. Tu vois, je l'ai fait travailler sur son rythme, hein, sur son cardio. On a un petit enchaînement secret qui va sortir, mais on dévoile pas tout. Des quoi? Éclate-toi. Mais tais-toi, franchement, en fait, on t'a rien demandé. Éclate-toi. Estelle, toi et moi, on est ensemble. Lui, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas pourquoi il ouvre ta bouche. T'as pas monté toi sur le ring? Ah. Elle a sa ventoline. Si à un moment, t'inquiète pas, je lui amène sa ventoline. Elle va bien respirer. Ouais, attends, viens, je t'amadoue un petit peu. Elle a une technique. Pour ne te laisse pas avoir, Estelle. Eh, votre go, Karel, elle a essayé la corruption directe. Elle, c'est une vraie africaine. Toujours la corruption. Donc, la go, elle est arrivée avant de monter sur le ring avec Estelle. Elle lui a offert un cadeau. Pour que la... C'est pas de la corruption. La corruption. Ça s'appelle la teranga. En plus de faire la corruption, teranga. C'est une bonne. Elle parle bien. Toi, tu devrais faire de la politique, en fait. Tu as tous les atouts pour la politique. Ça s'appelle la teranga. Je t'accueille ici en terre, même si bon, c'est pas ma terre. C'est ta terre. Bon, c'est la terre. Ton enfant a été conçu ici. Voilà, tu t'es marié ici. La terre de ma fille. Ta fille est née ici. Tu es sénégalaise maintenant. C'est l'accueil. Dites-lui qu'elle est sénégalaise maintenant. Elle pense qu'elle est encore béninoise. C'est fini. Son buzz du Bénin, c'est terminé. C'est une sénégalaise maintenant. C'est tout. Bref, on a offert un petit présent à Estelle parce qu'elle venait d'arriver. Que bon, voilà. Tu es pour écouter les coups. Elle bon, a eu peur, voilà. Allez, on continue. Elles sont très jolies en tout cas. Et en plus, il y a quelqu'un ici que moi, c'est pas poids lourd, c'est super poids lourd. Il a dit super poids lourd. Voilà, il m'a pas respecté. Qu'est-ce qu'on fait, Estelle? On va monter crescendo. Un peu de technique. Là, des coups, pendant les directs, les crochets, les uppercuts. Ensuite, tu vas en faire un peu de leçons. Ok. Et là, tu vas montrer comment tu frappes. Vas-y, allez, je suis prête. Je me suis entraînée dehors contre le vent. Allez, championne. Vas-y, mon poulain. Allez.
Vas-y, donne tout ce que t'as. Crit 4. C'est parti. Si vous ne me voyez plus sur Instagram pendant les prochains jours, sachez que c'est à cause d'Estelle. Il y a trop de monde, moi je trouve qu'il y a trop de monde. Elle va rentrer à la maison ce soir, elle va tester les trucs sur moi après. Elle va rentrer, elle va dire, elle te rappelle l'enchaînement là, bam bam. Allez, un petit échauffement, on monte sur le ring. D'accord. Mais en fait, je sais même pas comment on rentre. Voilà, cette partie-là qui va être drôle. Filmez. Mais là, je vais l'aider. Vas-y, vas-y. Ouais. Regardez pas trop ma femme en train de rire. Regardez pas trop ma femme. Je vous vois, merci. Regardez à quoi ? Il y a R. Il regarde, là, c'est ça. Ça fait les vues, ça fait les vues. Ouais, mais regardez pas trop. C'est bon, t'as tout fait. Il y a trop de regards, j'ai honte. Je vais me faire allumer ici. On va faire un peu les articulations. Que, hein, pas qu'on utilise les articulations. Mais en fait, lui, il aime trop rire. Ah, pour une fois que c'est Estelle, pardon, dis-lui de monter sur le ring parce qu'il ouvre trop sa bouche. Pourquoi pas ? En fait, c'est les bases, c'est quoi les positions. Ouais, voilà, ça, on fait pas. Non, parce que c'est important, on peut vite se blesser, change le bras. Et après, comme ça, je te montre les trois coups. De toute façon, en boxe, il n'y a que trois coups. Hein. Direct, crochet, uppercut, dans l'autre sens. Et avec ces trois coups, bah, il faut boxer. Je travaille beaucoup le cardio, ça peut éliminer énormément. Et tu vois, là, c'est en l'occurrence, je fais de la boxe anglaise, moi. Donc, c'est que les points. Mais il faut que tu te déplaces dans tout ça, là. Exactement. Ça, tu travailles les jambes. Il faut que j'ai quand même dans ma que j'ai fait de la bourse. Je vais te dire tous mes problèmes, les chevilles et les lombaires. Donc en fait, avant de commencer, j'ai expliqué ma liste de problèmes. Elle lui a offert cadeau. Elle a dit, bon, j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça. En gros, la go, elle a dit, vas-y, fais tout ça. Avant de commencer, je lui ai dit, bon, alors moi, j'ai mal au niveau des chevilles, des genoux, des lombaires. Des épaules, des oreilles, des ongles. Voilà, j'ai dit partout. J'avais un problème. Ouais, ben, je pense mon poids. Okay. Mon poids, il n'aide pas. Ouais, tes chevilles, elles sont sollicitées quand même en boxe. Parce que tu te déplaces beaucoup sur les côtés, etc. Et c'est là où les chevilles, il faut qu'elles soient solides en général. La boxe, en tout cas, c'est un sport que j'ai grave aimé. Je trouve ça grave stylé. Toi, t'es rentré dedans comment ? Si on fait une interview, c'est Ben, moi, à 12 ans, j'ai fait de la boxe. Mais moi, je faisais des sports qui n'avaient rien à voir. Moi j'ai commencé avec de la danse classique, j'en ai fait 3 ans. J'ai fait du patinage artistique 1 an. Ça j'aurais bien aimé continuer mais bon ça coûtait trop cher pour mes parents donc j'ai arrêté. J'ai fait de la natation, j'ai pas du tout aimé. Parce que tu vois la natation c'est bien en été. Ouais, mais quand tu dois y aller en hiver, il fait froid, il neige et tu dois quand même aller nager, c'est autre chose. Et puis après la natation j'ai voulu faire un sport de combat. Et j'aimais pas les arts martiaux. Ouais. Et la boxe c'est quelque chose qui m'attirait un peu, je voulais voir un peu ce que ça donnait et j'ai atterri dans la boxe. Et j'ai pas encore arrêté. J'ai eu 35 ans il y a 3 jours. Aujourd'hui, je commence la boxe. Voilà. Je suis un peu en retard par rapport à Estelle. Mais il n'y a pas d'âge. Tu commences ? Mais oui, elles ont dit moi je vais faire de la boxe, c'est trop bien. Parce que voilà, après, il y a des façons d'amener les choses. Ça dépend comment tu l'amènes. C'est sûr que si tu viens, tu veux faire de la boxe, on te met sur le ring, tu te fais frapper, on ne protège pas. Là, c'est compliqué, ça reste un combat. Mais si on t'amène bien les choses, en général, tu peux que aimer la boxe. C'est moi. Oh c'est quoi la vie ? C'est moi. En fait, c'est que sur le ring, quand on faisait comme ça, gars, ça grinçait d'une manière. J'ai dit mais est-ce qu'avec mes fesses là, je vais pas casser le ring des gens, gars ? Ah non, c'était chaud, c'était très chaud, c'était très très chaud. T'inquiète, il est solide. Attendez, je vais pas casser le ring des gens. Attends, viens, on change de côté. Attends. Ouais, je vais sauter ici. Là-bas, il y a peut-être quelqu'un. Il y a quelqu'un là-bas. Droitière, ça va être la jambe gauche qui sera en avant. Et la main gauche qui sera en avant. Pieds joints, un pas sur le côté. Et le paquet sur le côté en avant. Le pouce au bas des oreilles. Okay. On ferme. On met la garde et on ferme le poing. Voilà. Alors, ton visage normalement il doit toujours être protégé, tu dois toujours, même quand tu vas mettre ton coude, tu sais, c'est ton épaule qui protège, mais là ta main elle va toujours te protéger, tu vois. Je vais faire un zoom. C'était une blague. Oh, parce que
oui, madame, tous les jours, répète que c'est une Amazone du Bénin, que c'est une guerrière et tout, mais là, on va voir aujourd'hui la vie d'une professionnelle. Mais bon, comme tu bats souvent, tu vois, les pattes et tu malaxes. L'enchaînement de Margot. Bon, Moshe dit, il t'a accéléré la vidéo, dis la vérité. Il a accéléré pour que ça paraisse rapide. Ouais, t'es comme ça. Et puis il a mis des pop-up, des épées. Non, Moshe dit, t'es en bon. En fait, il a rien bon. Accéléré du tout. C'est comme ça que j'ai donné mes. Votre gueule a fait tata. Non, en fait, là. Attention, je vais te faire mal. Alors, je me sens pas au niveau de la championne, plus au niveau de la champignonne. Oh, j'étais obligé de mettre pause sur cette blague. Oh, j'étais obligé de mettre pause sur cette. Pardon, s'il vous plaît, mettez une note sur 10 à la blague. S'il vous plaît. C'est-à-dire mettez que... une note sur 10 en commentaire. Je veux voir toutes vos notes, s'il vous plaît. Moi-même. S'il vous plaît. Moi-même, je savais plus que j'avais dit ça. Une champignonne. C'est quel genre de dinguerie ça? Une champ. Ouais, la champignonne, tranquille. Salut à toutes les champignonnes qui nous regardent. Normalement, cet endroit-là. Non, fais où tu veux, fais où tu veux. Normalement, c'est un endroit où, bon, en plus, ça va plus se voir parce que c'est plus blanc. Normalement, c'est un délébile. Normalement, cet endroit, c'est un endroit qui est pas trop touché, tu vois. Normalement. J'espère que ça partira pas. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Donc voilà. Votre go a reçu de la part d'Estelle une paire de gants dédicacés. Franchement, ça c'est collector. C'est une collector. Championne olympique, championne du monde. En fait. C'est un truc de. C'est lourd, c'est très très lourd. Hein? Non, franchement, Estelle t'a déchiré. Et en plus, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est qu'en plus de faire la session, petite session d'entraînement avec Karel, c'est qu'Estelle a pris le temps de faire une session avec les filles de l'équipe nationale du Sénégal. Elle a pris le temps de faire une session avec des jeunes filles qui sont venues de différents endroits, pas que de Dakar, même il y en a qui venaient de... On est un peu plus loin, de la Perle de la Côte. J'ai plus le nom des villes, mais... Et franchement, il y avait des jeunes filles, des toutes petites, ma mine, elle était trop mignonne. Et qui était mais là, tu es. Eh non, elle franchement, tu es. Et qui boxait. Estelle a vraiment pris le temps avec chacune. Elle a ramené des cadeaux de la part de son équipementier. Non, franchement, elle a été généreuse à tout point de vue. Dans le temps qu'elle a pris avec nous, avec les gens sur place. Et vraiment, c'est Estelle, si tu regardes cette vidéo, merci encore parce que tu nous as donné beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour et vraiment, on a apprécié le moment. Et honnêtement, je pense que je kiffe encore plus la boxe après la petite séance qu'on a eue. C'est parfois, genre, ça aurait pu me dégoûter en me disant, vas-y, ça... En gros, ça me plaît pas, mais au contraire, la vérité après ça, j'étais chaude, j'étais trop chaude. En tout cas, on a passé un super moment. Merci aussi à Syrah de l'équipe de sport en commun, si vous avez vu le t-shirt que Karel avait. En fait, c'est une structure qui est basée ici à Dakar et qui essaye d'impacter socialement via le sport. Ils organisent beaucoup de projets, donc je vous invite à aller regarder leurs réseaux sociaux et tout. Et franchement, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Prochaine fois, c'est moi qui fais le cours avec Estelle. Estelle, prochaine fois, c'est mais moi est-ce qui coach. Que non, il faut qu'on parte sur un autre sport et avec un autre sportif. Ouais, j'avoue. Si vous avez des sportifs en tête, lutte. Non, non, c'est mon dos.
En fait, la lutte. Mondo au Sénégal, non? Je suis un père. Attends, t'as pas dit que t'es un Gang Angel? Je suis un père de famille. On s'en fiche. Tu es un père. Oh, aïe, aïe, ça a craqué. Aïe, 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 ça a craqué. Lutte, si vous connaissez des lutteurs, hein, faut les taguer, faut les mettre en commentaire, faut même nous les recommander. Et Olivier va faire une petite session. On en connaît un avec qui tu t'es déjà entraîné. Mais en fait. Toi aussi. En fait, moi-même, j'ai fait un entraînement. Mais en fait, pourquoi le roi des arènes. Moi, j'ai fait un entraînement avec Modulo, la famille. Ouais, avec Estelle Mosley. Mais bon, c'était. En fait, toi, ça va, t'as des vrais entraînements. Ouais, j'avoue, j'ai des vrais coachs. Dans ton CV, t'as des vrais coachs. Mais il faut que toi, tu fasses, parce qu'à chaque fois, c'est toi qui fais. Non, moi, je fais de la pêche, je fais des trucs calmes. Moi, j'ai un problème de dos. Je suis un vieux père. Je suis un père de famille. Je fais, tu vois. Moi, je fais une mère de famille. Ouais, mais bon, toi, t'es jeune, toi. Moi, je suis un vieux, tu vois. En tout cas, vraiment, merci à vous, de tous les gens qui nous ont envoyé des messages pour nous dire qu'on vous attend. On vous attend sur YouTube. On espère que l'attente en valait le coup. Petit épisode. Petit épisode sympa, histoire de se remettre en jambe. On se remet tranquillement dedans. Et on va revenir encore avec de nouvelles choses. Si vous avez des idées, si vous avez des thématiques de vidéos pour nous, n'hésitez pas à balancer. Nous, on écoute tout, on prend tout et on vous écoute énormément. N'oubliez pas, donnez la force sur Instagram si vous regardez l'épisode. Mettez-le dans vos stories, taguez-nous. Suivez-nous sur les réseaux KarelBV sur Instagram, IamOlivierV sur Instagram. Si t'es nouveau, que t'as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi. Il te reste plus que ça. Abonne-toi, active la petite cloche de notification. Et on vous dit, Inch'Allah, dans deux semaines. Pour un nouvel épisode, la famille. Merci. Ciao, ciao. Ciao.